plus chez moi. Moi, je baisse un peu le volume. On a 5 jours, mais ouais. Attends, je te mange 5 jours. D'accord, j'ai compris, bonjour. Quelqu'un me verrait de cuisiner le cube. D'accord, je vais cuisiner le cube. Oui, la télé est déjà ouverte à la PDG TV, c'est le matin. Je suis venu faire un coucou à la mater, à maman, à votre mère. Le médecin vient de passer. Le médecin est passé là. Le médecin, c'est quelqu'un qui connaît le Cameroun. Ça fait plaisir. Le médecin vient de passer, il connaît le Cameroun. Il a dit que il a demandé à maman à tuer de Douala ou de Yaoundé. J'ai dit qu'elle est de Tchon, à l'ouest du Cameroun. Il m'a dit, votre président, c'est toujours le même. C'est Paul Biya. J'ai dit, oui, c'est toujours le même. Il m'a dit, waouh, il n'est pas encore allé en retraite. J'ai dit non, ça va, c'est un vieux lion, il va bien. Il m'a dit, ah, et l'ambassadeur Yannick Noah. Et je lui ai demandé, vous avez déjà été au Cameroun? Il a dit non, il connaît le Cameroun à travers Yannick Noah. Ça, c'est bien ça. Il connaît pas les documentaires avec Yannick Noah. Donc, il vend bien l'image du Cameroun. Moi, je baisse un peu, tant pis, c'est trop fort. Je baisse le volume, je te masse un peu. C'est bon comme ça, maman. Quand tu es trop haut aussi, c'est un genre là. Maman, c'est bon, attends. Mets-le dans le cou. Comme ça, là. Voilà. C'est quand tu tords trop la tête, le cou aussi, maman. Voilà. Bon. Tant pis. J'ai tant pis. Non, ah, comment? Non, il y a où, je suis là. Quand vous. Ah, on va l'entendre. Il m'a pas dit que l'on a autre chose. Il est typique. 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 Il est typique
La fraîcheur de ça. Massage, il faut la bichonner. La bichonner. J'attends, on te dit. On te dit bonne guérison, merci pour elle. J'attends midi, je lui donne à manger, puis je vais y aller. Je lui donne à manger. Que tu es chez Danton, là. Maman, regarde mon bélo, tu es chez Danton, là. Les gens, est-ce qu'on apporte la nourriture dans l'hôpital des femmes? Attends, mais fais le séjour, vous êtes au coup. 11h40. Fais l'autre. Fais le chute midi. Personnellement, j'ai acheté l'ordinateur portable. Elle va caler ici. Elle va rentrer. Elle a encore, on va dire, elle en a pour deux semaines. Elle est en gériatrie. La liane officielle. Bonjour, ma fille. Maggie Foto, la coiffeuse star. Elle est en gériatrie. Courage. Elle est très forte, franchement. Ça dépend, il faut avoir un régime particulier. Attends, ça dépend de. Il faut voir avec l'équipe si elle a un régime particulier. En fait, il faut qu'elle mange les soupes. Comment vous appelez ça? Tout ce qui est écrasé la main. Maman, nous avons 7 500. Baisse la main. La perfusion, maman, on a baisse la main. Ça, toujours. On a plus épais. Et me lève la main, baisse. Pose bien. Voilà. À mixer, oui. Voilà, mixer. Pour le moment, c'est ce qui est mixé. Il ne faut pas trop. Donc, foncez trop sur la nourriture. Bonjour, ma faux courage, merci. Je peux pas, j'apporte en cachette. Ok, c'est là. Non, c'est pas, il y a un matin, je te l'ai apporté. Et ce qui est bien ici, c'est que maintenant, il faut ça en Afrique. En Afrique, on ne sait pas si à l'hôpital on bichonne. Les infirmières là, c'est bichonne. Ici, là, on a bichonne. Non, tu ne veux pas. Oui, on y a où? Oui, on y a où?
carrément chundé ngouez mango ola chungoroza. Vous êtes yo, vous êtes docteur. Je suis yo, vous êtes docteur. Je suis un homme clombo. Je suis un homme fort en vie, un club. Je suis un Lisa. 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 Un club. Un club. Tant pis que. Pelle le roi. À l'hôpital, on ne fait pas l'oubli. Vous voyez comment je parle doucement. Doucement. Il y a les vieilles boîtes là-bas. Oui. Bonjour. Allô, papa. Bonjour. Bonjour. Alors, je dépose le plateau. Ici. Merci. Je vais lui faire manger. Très bien. Je vais juste l'installer. Je vais juste vous réinstaller dans le lit. De manière à ce que ce soit plus confortable. D'accord. Un petit peu comme ça. Oui. Je vais simplement vous recentrer un petit peu avec le coussin. Voilà. Et voilà. Peut-être vous mettre de ce côté, ce sera plus simple. Ah. Ben vous voyez. Donc d'accord. Vous voyez. Ouais, je vais être de l'autre côté. Je vous ouvre les barquettes. Merci. Ouais. Pas toujours évident. Voilà, vous voyez. Un peu sur deux. C'est la viande, c'est ça ? Alors oui, c'est du porc à la diable mixé, bien sûr. D'accord. Et de la purée à l'ail. Voilà. Là, et attention parce que c'est bien chaud. Hein. Bon appétit. Merci. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital. Maintenant, je tourne le plateau. C'est comment? De l'autre côté. Non, mais je vais le faire manger. Ma, ça ce sont les pommes pilées. C'est les pommes pilées du blanc. Hein. Pommes pilées, on fait comment? Les femmes qui travaillent à l'hôpital là, avec les techniques, les quotas. Donc, que me mettre par là. Comme ça. Voilà. Voilà. C'est ce que je vais faire là. Le matin, non, le matin, je sais pas. Non, je pense si, pas. Si, elle a mangé un petit peu avec nous. Je sais que c'est un petit peu compliqué de oui, manger. Oui, de manger, nous. Oui. Mais là, écoutez, elle a pris un petit peu. Hein. D'accord, c'est bien. Oui, c'est bien. Super. Parce que, vu qu'on est souvent là quand même. Oui, franchement, merci pour elle. C'est bon. C'est croc-croc. Bon. C'est croc-croc. C'est croc-croc. Bon. Et ça, mais les gens qui aiment capturer là, il faut capturer. Moi, ça me dérange pas. Tout le monde va vieillir. Il faut avoir la chance de vieillir.
Donc, les médicaments, je mets dans la compote. Ouais. Je mets, vous mélangez pas tout, vous mettez une toute petite partie. D'accord. Bien dans du yaourt. Oh, comme vous voulez. Donc, elle va manger? Oui, elle va manger, tout cas, je vais lui faire manger. Maman, fais-y bonjour. Ah, attends, je vais juste à la perfection. Je vais vous faire la petite piqûre au doigt. Voilà, et après, juste vous prenez avec la cuillère, vous ne mélangez pas tout avec, si jamais elle ne mange pas. D'accord, mais bon, je pense que ça va être bien. Eh bien, suivi. Allez, je suis désolée, je suis un peu longue. Pas de soucis. Ça sent bon, s'il vous plaît. Mais ça sent bon, oui, ça sent très bien. La montre ton blanc va te piquer. Hop, ça y est. Voilà. Ton diabète, ça va? On va voir ça. $3,52, c'est assez élevé. Ça, c'est élevé. Ouais. Voilà. Merci. Et voilà. Bon appétit. Merci. Chauffer. Non, même j'ai goûté, c'est très bon. Très très bon. Trop bon. C'est trop bon. Trop bon. Anto, hein? Ah, ma mère, oh, maman, Anato aussi. T'as chauffé, maman? Excuse-moi. Anto, ouais, maman. Andoumba. Attends, je prends l'eau gelée, c'est gelé. J'ai la tri là. Gélifié. Ça c'est l'eau, mais c'est gelé. J'ai vérifié. C'est l'eau. Pas tout. Au monde, c'est un peu pas même pas. On ne monte pas. C'est chaud maintenant. Très très chaud. Très très. Très très chaud. Oui. C'est pas pour moi. Oui, pas de soucis. Quand vous êtes un petit peu haute en glycémie, donc c'est de l'insuline pour faire descendre le taux de glycémie. D'accord. Et là, c'est dans le bras.
Ça ne dérange pas, je lui mets un peu de musique comme ça. Non, oui. D'accord. Mangasa ou ma fou, non, mangasa, mais. Maman, alors quand nos parents vieillissent et deviennent comme les enfants. Maman, elle est comme moi. C'est un peu chaud, c'est chaud. Hein? C'est bon, hein? Mmh. Les pommes pilées là, c'est trop bon. Petit en chemin à mon bas. Je vais m'habiller que j'ai caché pour venir avec le bois. Merci. Merci beaucoup. Je suis à l'hôpital, je peux manger ma maman. Attends, je peux manger d'abord ma maman. Je te rappelle après. Ok. Je peux d'abord manger ma maman. Bon, c'est bon. Elle fait ça. Un peu, un peu. Allons, allons, allons. Travailleuse sans arrêt. Travailleuse. Petite amie de chôme, travailleuse sans salaire. La travailleuse sans salaire au Pérou. Quand je mettais un collet sur les chaussures. Roupero. Roupero. Une sang moins tellement. Pas l'ordre sèche à peu moins tellement. Sera un mouette. Mon Dieu, tu n'as pas ce mouette.
Il faut qu'on ait ton cou bien, voilà, comme ça. Ton cou comme ça. Voilà. Est-ce que c'est mal passé? Mais non, faut que je me... Je marque. Donc je marque. Maman n'a pas grondé. Maman, est-ce qu'on gronde son employé comme ça? Non, c'est ton employé, mamie. Maman. Non, c'est ton employé. Ou pas, mais paye le souci. Vous avez vu, maman? Mais, ton employé, maman. Maman, vraiment les Camerounais, quand ils sont patrons, comment quelqu'un peut gronder son employé comme ça là? Les filles qui travaillent à l'hôpital, elles sont en train de faire votre travail. Travailler, ça c'est le bossman. Bonjour. Bravo! 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 On m'a applaudi pour maman. Bravo! Bravo! C'est pas moi.
va applaudir, non? On met à manger, on va applaudir. On va prendre le fromage. Tu vis comme les Wap Maman. Quand le blanc mange, on appelle ça que fromage frais. Voilà. C'est le dessert. Bravo! On l'aime au docteur, mais tu as mangé tout. Je commence bon. Grâce. Bravo! Un petit peu pour nous. Que tu payes ma chose. Comme tu que tu payes ma chose. Elle est sortie. Mais attends, je vais mouiller un peu, je te suis la bouche avec le... Les étoiles alors pour ma peau. Quand je l'écoute, tiens ma, entier à moi. Voilà. C'est passé le tombeau, non? Ça roule bien. Ah.
tu sois bien, maman. Que tu laisses comme ça pour écouter. Téléphone quoi, pique. On va m'aider. Tu as bien mangé. Je vais donner le YouTube. Que tu as bien mangé, ma chérie. Au téléphone. Le but de le but du direct, c'est quoi en fait? Le but du direct, c'est juste une façon de vous montrer, pas parce que j'étale ma vie, mais parce que il ne suffit pas de faire venir quelqu'un en Europe, mais derrière, surtout une personne qui est malade, derrière, il y a un gros travail à faire, même psychologique. Et puis, quand nos parents sont déjà âgés comme ça, il faut s'en occuper. Vous savez, en Europe, on n'a personne. En Europe, on n'a personne. On n'a que soi-même. Moi, je ne compte que sur personne. Je suis seule. Seule avec elle. Vous savez qu'elle doit venir le matin lui faire... Je viens comme ça, le midi, je lui fais manger, je reste, je papote, je la laisse reposer. Je reviens vers le soir, à l'heure des visites. Pour rester avec elle. Pour l'accompagner. La pomponner. Pour qu'elle se sente bien. Oui, et c'est un gros travail. Parce qu'en Afrique, c'est pas parce que je n'ai pas des amis... ou des enfants qui peuvent... c'est pas parce que j'ai pas d'amis et des enfants qui peuvent... les gens qui peuvent venir rendre visite. On ne rend pas visite ici aux gens à l'hôpital n'importe comment. Moi, j'ai arrêté Edo. Donc, on ne rend pas visite n'importe comment. Et même, c'est ma charge. Et même, c'est... Si je lui donne à manger, là, c'est pas parce qu'il ne peut pas manger seul. Et même un jour va arriver que je vais lui donner à manger. C'est parce qu'elle a la perfusion sur la main droite. Et il n'y a que sa main gauche qui est disponible. Elle n'est pas gauchère. Elle ne peut pas. Donc je suis obligée de l'aider. Donc c'est ça. Elle est née le 31 janvier 1947. Donc, vous pouvez voir son âge, mais ça va, c'est la maladie, non. Le diabète, c'est une maladie qui entraîne tout. Insuffisance rénale, le cœur, tout ce qui va avec. Donc, vous comprenez pourquoi les Blancs mettent leurs parents en maison de retraite ou bien dans les centres médicalisés. Parce que eux-mêmes ne peuvent pas. Oui. Imaginez si je travaillais la nuit. Vous savez que la nuit ne peut pas passer. La voir.
Si je travaillais peut-être comme ça, le matin, le midi, comme ça, vous savez que je ne pouvais pas venir la voir. Mais là, je profite tant qu'elle est là, qu'elle a le souffle, qu'elle m'écoute, que je discute avec elle. Je suis fière d'être avec elle et je mettrai mon nez jusqu'à la dernière énergie pour la rendre heureuse et l'accompagner bien comme il le faut. La pomponner, la chuchoter, c'est tout. Vous êtes sûr que nous, là, on va atteindre son âge là. Oui, prendre le temps pour s'occuper de ses parents, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Ne dites pas souvent seulement que oui, mais c'est comme c'est sa mère. Non, il y a des parents qui ont des enfants, mais qui se retrouvent seuls. Comme ça, il n'y a personne autour d'eux. Il y a même des personnes, des personnalités seules dans les hôpitaux ici. Hein. Parce qu'on a peut-être évacué ces personnes-là. Ils sont ici en Europe, mais il n'y a pas quelqu'un autour d'eux. Ils sont seuls. Regardez les infirmières, les aides-soignants, les personnes soignantes. Ils ne vont pas rester autour d'elles. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, il y a d'autres personnes aussi. Donc ils passent, ils déposent ce qu'ils ont à déposer et continuent. Donc, il ne faut pas seulement voir que oui, elle monte toute sa vie, c'est monté, c'est descendu, c'est privé. Non, c'est privé comment? Je suis star, non? Je suis un personnage public. Un personnage public vit ce que tout le monde vit. Oui. Pourquoi? Donc, c'est seulement dans la santé qu'il faut qu'on nous voie. C'est pas seulement dans la santé. C'est maintenant là qu'elle connaît les qui sont méchants. Que ce soit même dans la famille. Parce qu'il y a des personnes qui ne demandent même pas qu'elle va comment. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne demandent même pas que comment elle va. On va faire comment? Si elle parle, on va me dire que ça, tu l'avais amené en France. Ah, c'est à ma tes souhaits. Donc, n'est-ce pas, je profite ma. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents jusqu'à l'âge-ci. C'est un travail. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais je suis fière de faire ce boulot. Quand j'entends souvent les gens dire qu'il faut il fallait la laisser. Assez à avoir des soins. Il faut la laisser au pays. Il fallait aller la laisser au pays. Mais est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous dites là? Est-ce que vous vous rendez compte même quand vous dites qu'il faut la laisser au pays? Est-ce que vous savez même que rien que les infirmiers, les aides, les personnes soignantes qui entrent là, qui sourient avec elle, qui demandent ouais, comment tu vas, comment ça va madame, parler bien avec elle sans brutalité, ça c'est bien. Parce qu'au pays, je ne dis pas que les infirmiers du pays ne sont pas bien, mais il y a le savoir-vivre qui manque. La chose en France qui est vraiment bien, c'est la santé. En France, on abandonne quelqu'un qui est malade. Et on te soigne sans demander, sans regarder où tu viens. Parce que où elle est là, ça se paye par jour, tous les jours. Et c'est l'État qui paye. Vous imaginez un peu, sans bouder, sans dire que oui, hein, machin, non. En France, surtout, la santé, c'est quelque chose qu'on ne rigole pas avec. Oui, il y a des personnalités abandonnées dans les hôpitaux, hein, ici en Europe. Quand je dis les personnes, je veux dire que les personnes au pays qui sont riches au pays, ils sont riches, ils sont milliardaires. Mais la façon de finir, de partir n'est pas différente de celui qui est pauvre. La seule différence, c'est que la personne a son compte en banque qui est rempli. Mais ici, on ne te soigne pas. En te soignant, on ne regarde pas si tu es riche ou tu es pauvre. Non. Ici, on te soigne. Quand on veut te donner un médicament, on veut te soigner, on ne regarde pas
ton compte en banque avant de te donner. On te soigne seulement. Oui. Ce qui est important, c'est d'être entouré de sa famille. C'est d'être entouré de sa famille. D'être bien accompagné dans des moments difficiles où on ne va pas bien. Le diabète, c'est une mauvaise maladie qui entraîne tout. Je ne sais pas pourquoi la maladie des riches a attrapé ma mère. Le diabète, c'est la maladie des riches qui ont l'argent au pays, qui mangent la viande, ils boivent le vin, ils vivent la bonne vie, non? Est-ce que ma mère a bu le vin un jour? Elle ne connaît pas l'alcool. Est-ce que la maladie du riche alors devait l'attraper? Non. Mais c'est la vie. Pour dire qu'on est là debout, on parle, on se dispute, on te prend la tête. Personne ne sait comment il va finir. Personne. Personne ne connaît ses derniers moments sur cette terre. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Donnons l'amour à nos parents. Je prie seulement Dieu de me garder en santé, qu'elle soit là pour elle. Et non qu'elle soit là pour moi. Donc le contraire, non. Je vais être là pour elle. Moi, je suis partie. Je te laisse dormir. Bisous, mes cœurs. À ce soir, non. Bisous.